Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire un petit tuto. Donc ce sera un tuto qui est spécialement fait pour les débutantes qui n'ont pas encore appris à faire de nail art pour leur montrer qu'elles peuvent arriver à faire des choses sympas avec des petits outils qui peuvent être pratiques comme les plaques de stamping, les petits sponge brush. Je vais vous montrer comment faire une petite déco justement avec ça, quelques gel paint et du scotch. Donc c'est parti. Donc j'ai préparé une capsule. Je vais poser un gel. Donc par exemple là, j'ai pris un paint bleu sur tout le fond de la capsule. Je catalyse. Ensuite, je vais prendre du scotch ordinaire et je vais en découper une fine lamelle comme j'ai fait là. Et ce petit morceau de scotch, je vais le positionner au centre de l'ongle. On colle bien. Ensuite, on va prendre une palette, le petit sponge brush. Et une deuxième couleur de gel. Donc je vais prendre un petit peu de gel que je pose sur ma palette. Je le travaille avec mon petit sponge brush. Et je vais le poser sur les deux côtés en bas de l'ongle. Je catalyse, je recommence si besoin. Je catalyse de nouveau. Donc voilà, j'enlève mon scotch. Donc ensuite, comme vous débutez, vous passez une légère mais très légère couche de finition. Ce sera juste en fait pour protéger ce que vous venez de faire pour faire la suite. Donc une couche très très fine, sinon ça ajoutera de l'épaisseur. Et vous catalysez. Donc voilà, maintenant vous allez reprendre votre scotch. Et en coller un morceau de chaque côté de l'ongle. Donc voilà. Vous allez reprendre votre petit sponge brush et vous recommencez, mais cette fois en partant du haut. Donc, comme pour les premiers, vous faites une, deux, trois couches selon l'intensité que vous voulez et vous catalysez bien sûr entre chaque couche. Donc voilà, une fois catalysé, on laisse les scotch, on ne les enlève pas puisqu'on en a encore besoin. On prend une plaque de stamping, donc n'importe laquelle. Moi là, j'ai pris, si vous vous demandez laquelle c'est la Moira ornement numéro 3 avec un gel blanc paint. Je vais en mettre sur une des décos. Donc pas besoin d'en mettre partout, hein. Vous le mettez juste sur un côté.
je passe ma petite raclette. Voilà. Ensuite, je prends mon tampon. J'attrape la déco. Hop! Bon, vous la voyez, elle est là. Et je vais simplement la poser sur mon ongle. Je pars d'ici. Et je remonte. Maintenant, vous pouvez enlever les scotchs. Et vous catalysez. Donc voilà, une fois catalysé. Donc pour finir, je prends un petit pinceau fin avec un petit gel blanc. Et je vais simplement tracer un petit trait de chaque côté. Je catalyse de nouveau. Et pour finir, j'applique une finition. Et je catalyse pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. Donc cette petite déco, c'était fait pour montrer que avec des petites choses simples pour les débutantes qui ont encore du mal avec le nail art au pinceau, on peut prendre des plaques de stamping, du scotch, des choses très simples qui permettent de faire des petites choses qui peuvent être sympas en nail art. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous en ferai d'autres, bien sûr, des comme ça, faciles pour les débutantes. Et si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.